That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Man, all I can think about is food! Ok, on se réveille. Ok, on est bien, on est bien. On a encore un peu de calories. On va boire. Ah merde, peut-être qu'on va peut-être pas descendre en dessous des 40 kilos. Ah, fait chier. Ok, on est en pleine nuit, mais on va devoir y aller. On va se baisser. Je suis désolé, mais on va rien voir. On va faire un petit voyage de nuit. Et ça, il fait... Oh, ça va, il fait pas... Non, ça va, c'est bien. C'est bien, il fait pas trop froid, on va faire ça. Alors, on va passer par là. Alors moi, ce que je fais, c'est je descends toujours sur la route, comme ça. Sans se péter une jambe, par contre. Oh la vache. C'est bon, on est bon. Et on va de ce côté-là, et normalement, on est bon, on est tranquille. Et on devrait arriver dans la station. Pas station essence, c'est une station. Oui, je crois que c'est un petit garage et tout ça. Et c'est là qu'on va refaire notre camp. Un peu comme la survie d'avant. Je sais que ça ressemble beaucoup. Mais on va plus vite quand même. On est beaucoup mieux entraîné cette fois. On va beaucoup plus vite. Et une chose que j'aime beaucoup dans ce jeu, je trouve ça très très intéressant, c'est que, en fait, le jeu te force toujours à faire des choix très rapidement, et il faut que ça fasse le bon choix. Faut faire le bon choix, c'est ça que je veux dire. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel dans ce jeu, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est, est-ce que tu vas dormir? Est-ce que tu vas faire un feu? Est-ce que si tu dors sans feu... J'ai cru entendre des pas. Oh putain, j'entendais des pas ou quoi? Est-ce que tu vas pouvoir survivre? Genre sans feu? Faut toujours faire des choix en fait. Et ça, je trouve ça très très intéressant. J'aime bien ce côté comme ça du jeu. Ok, là il y a toujours la route. Non, ça c'est l'autoroute, donc on n'y est pas encore. Par contre, faudrait peut-être que je redresse. Faut que je redresse sur la route principale. Comme ça, je me perds pas. Voilà, là on est bien. Très très bien. Alors, j'ai un problème, c'est que... on peut toujours pas sprinter. Et le truc, c'est qu'il y a des loups ici. Il y a même, je dirais, peut-être... un ours! Ça, il m'a pas vu. Oh mon dieu. Il y a un ours. Torres, t'es pas grosse, ça va. On t'a vu dans le jeu, on sait que t'es pas grosse. C'est quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? J'ai entendu un mou. Non? Ok. Par contre, là, il faut que je me concentre. Donc, je vais être un peu... un peu plus... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un loup? Oh, c'est un élan? Oh! C'est le nouvel animal? Oh. Par contre, je sais pas s'ils sont violents... Ouh la vache. S'ils sont violents ou pas. Reste cool. Oh putain, il fait peur. Il vient vers moi? Non, il s'en va, ok. La vache.
Oh la vache. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque? Qu'est-ce qui se passe? On est entier? Ok. Oh putain. Oh la vache. Il m'a... On dirait qu'il me fonçait dessus en fait. On dirait qu'il m'a senti ou qu'il m'a vu et qu'il m'a attaqué. Mais je sais pas s'ils sont violents ou pas. Enfin, je sais pas s'ils sont agressifs en fait. Alors, je les ai jamais rencontrés avant. Hein. Je le dis direct. J'ai jamais rencontré... Oh, ça c'est bien. J'ai jamais rencontré ces animaux avant. J'ai voulu garder la surprise pour la survie. Même si c'est dangereux. Même si c'est super dangereux de tomber sur un nouvel animal dont on connaît pas vraiment les mouvements et comment il réagit. Mais je crois qu'il est passif. Et si on l'attaque par contre, ou alors si on s'approche trop peut-être, il est agressif. Il devient... Ouais, ça c'est cool. Il va nous attaquer. Mais là j'ai l'impression qu'il m'a chargé en fait. Directement. Peut-être que j'étais trop près. Peut-être qu'il aime pas les gens. Oh merde. Oh, c'est chaud si on est, si on a un élan après nous maintenant. Oh la vache. Le truc qui est marrant, c'est qu'on n'a pas vu de loup. Parce que ici, normalement, il y a une grosse meute de loup. Ce qui est extrêmement chiant au début de jeu. Quand vous vous installez ici. Bon, après, une fois que vous commencez à les tuer, ça va. Ça se passe bien, mais... Et ce qui est bien, c'est que c'est une très grosse réserve de nourriture ici. Parce que bon, du coup, vous avez plein de loups. Après, bon, bien sûr, il faut pas trop manger de viande de carnivore, mais ça fait une très grosse réserve de... Oh, une tisane, cool. Très grosse réserve de nourriture, très grosse réserve de peau de loup pour faire des vêtements. Et de boyaux, parce que je crois que c'est 4... Oh. C'est 4 boyaux, je crois, par loup. Oups, pardon. Donc c'est bien, mais c'est dangereux. Ouh, bah je suis content de tomber sur un élan. Ouh, on va vite. On découvre des nouvelles choses déjà. Comme j'ai dit, une fois qu'on aura notre équipement, qu'on aura fait notre couteau, notre petite hachette, ça on va le faire vite aussi. On cherchera la nouvelle ville, dont j'ai complètement oublié le nom. On cherchera la nouvelle ville. Bon, c'est tout. On va pas prendre les livres. Et on ira s'installer là-bas, je pense. Ok, alors fais voir un peu. On a un peu de bouffe, ça c'est bien. Alors un truc, est-ce qu'ils ont corrigé ça? Ravitaillement. Non, ils l'ont pas corrigé. Ce que je vais faire, c'est... Ou alors je... Jeter ça. Parce qu'en fait, on peut pas choisir si on prend du jerrycan... Ou alors de la petite bouteille qu'on a. Et ça, je trouve que c'est un problème. Je trouve que c'est un gros problème de qu'on puisse pas transférer l'essence. Parce que c'est le même combustible, c'est exactement le même. Hein. C'est le même type. Donc on devrait pouvoir le faire, mais le jeu dit non. Donc ça, c'est un peu emmerdant. On a plein de petites bouteilles. Ça, c'est pour faire du feu, par contre. Ça, c'est autre chose. Bon, ben go. Je sais pas pourquoi ça a fait 2 torches, ça aussi, je suis pas sûr pourquoi ça a fait 2 torches. J'y vais sans lumière ou avec lumière par contre? On va peut-être y aller sans lumière, peut-être qu'il va moins nous voir. Allez, c'est parti. Oh la vache! Oh putain. Oh, il nous fonce dessus. Je crois. Allume. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Donc les élans font peur aux loups. Oh mon dieu. Qu'est-ce que...
Couture facile, c'est nouveau ça. Ah, ça tue! C'est nouveau ça. Ok, il faut qu'on puisse sprinter là. Là c'est pas bon là. Là non, là c'est mort. Là il faut qu'on puisse sprinter. Ah, on est dans une voiture, on peut rien poser par terre. Oh merde. Ah si, non, si on est non, si. Voilà, réservoir ici. J'ai pas. Oh parfait. Attends. Hop, livre. Je sais que t'as peur, arrête de faire ça, Torres, ça me stresse. Oh, parfait, ok, on est bon. On va remettre de l'essence là dans la lampe. Oh comment c'est stressant cette issue là. Ok, très bien. Oh putain, on va aller. Oh la vache. On va éteindre la lampe. Oh mon dieu. Il y a des. Donc il y a des loups et il y a un élan. Je l'entends marcher. Ça c'est le loup qui a peur, j'entends. Il est où? Je le vois pas. Oh merde. Elle est où la porte? Ok. Normalement, vous voyez la petite barrière? Normalement, ils peuvent pas la passer, je crois. J'espère. Je crois qu'ils peuvent pas la passer, la barrière. Oh non, il y a une tempête. Je vois rien. Ah, y a un loup. Oh merde. Et non. J'étais en train de réfléchir là. La torche. On allume une torche pour faire peur au loup. La tempête s'est levée, on peut pas le faire. On peut rien faire. Oh mon dieu. Ce qu'on peut faire, c'est aller dormir. C'est aller dormir. Genre une heure ou deux. On voit ce qui se passe, on voit si ça bouge un peu ou pas. C'est le plus safe là, parce que là c'est le bordel. Oh. À l'extérieur, ça a l'air d'être un putain de zoo. Incroyable. Ok, on se lève. On est bon. Tout est bon, tout est bien. Et on a toujours le mauvais temps. Ça, c'est bien aussi. Ah, mon dieu. Ok, allez, c'est parti. Ils sont peut-être moins susceptibles à nous sentir, à nous voir, si la tempête. Ok, l'élan est là. Hop. Oh, mais on voit que dalle de ces voitures, sérieux. On va passer par là. Ah mon dieu.
Je crois qu'il me course. Je crois qu'il me course. Oh putain. Vite, vite. Là. Vite, 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 vite. Je t'en supplie, rentre. Je t'en supplie. Pourquoi il y a une voiture maintenant derrière? Rentre. Oh putain, il y a plein de trucs. Elle est où la porte? La porte, 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 porte. Oh mon dieu de putain de merde. Torres, ferme ta putain de gueule. Laisse-moi analyser la situation. Laisse-moi. Oh la vache. Attends, parce qu'il n'y a pas de surprise. Genre, il y a des loups maintenant à l'intérieur, non? Non, ça va, ok. Oh la vache. Ok, bon, il fait assez jour pour voir, ça va, on voit. Oh mon dieu, oh la vache, incroyable, incroyable. Par contre, je vais me vider les poches dès direct. Oh putain, c'est chaud. On va mettre le charbon ici, je mets toujours tout ce qu'il y a. Pour le feu, on le met là. Je fais toujours un petit tas. Là, on a le charbon. Là, on a le bois. Très bien, on est dans le vert. Yes. Alors, résumé. Résumé des épisodes précédents. Nous avons rencontré un élan. Le truc est agressif. Le truc, si tu t'approches trop près, il te fonce dessus. Il veut te péter la gueule. Donc ça, c'est super dangereux, d'accord, ok. C'est comme un ours, en fait, apparemment. C'est exactement comme un ours. Sauf qu'il doit courir plus vite, je pense. C'est pire. Et oh, ça, c'est bien pour nous. Il fait peur au loup, par contre. Bon, je sais... Au final, je sais pas trop si c'est un plus ou un malus pour nous. Mais il fait peur au loup. Oh, yes, ça, c'est bien, ça. Veste de ski. Oh, la vache, comme on est chanceux. Oh putain, ça c'est cool ça. Bon, voilà, il fait peur au loup, c'est bien, je crois. Et vous avez vu, il y a tout plein de choses autour de la station. De où c'est qu'on est là, où est-ce qu'on est là. Oh, ça c'est cool, j'ai vu des palettes. Franchement, j'ai eu le temps de rien voir parce que j'étais trop paniqué. Mais je crois qu'il y a des palettes. Il y a un 4x4 juste à l'arrière là. Ouh, c'est quoi ça? Oh, une note abandonnée, cool. Palette 4x4, enfin camion, et je, voilà, c'est tout, j'ai pas vu, ah, il y a plus de boîte, ah oui, si, il y a toujours, l'intérieur, je crois que c'est exactement le même intérieur, par contre, l'intérieur n'a pas l'air d'avoir, changé, donc ça va, c'est bien, ah, mais je suis content des choses qu'ils ont rajoutées, hein. Je suis super content, je trouve ça vraiment cool. Parce que du coup, ça veut dire que, bah, du coup, on va pouvoir, si jamais on a besoin de bois et qu'on n'a pas trop le temps d'aller en couper, enfin non, en ramasser, pardon, pas en couper, en ramasser, ça veut dire qu'on va pouvoir en couper. Donc ça, c'est bien. C'est plutôt cool, ça. Yes, encore une 6, parfait. Ah, ça vaut vraiment le coup. Ah, je suis vraiment content d'avoir commencé. Par contre, c'est quand même ultra dangereux. Quand on va sortir... Parce que pour le moment on n'a pas d'armes. Ça va être... Mais la merde. Oh putain. On va faire la course... La course avec les animaux quoi. On va devoir éviter tous les trucs. Qui nous... éviter qu'ils nous bouffent. Et qui nous défoncent la gueule. Oh la vache, ça va être horrible quoi. Par contre là je préfère allumer une lampe. Parce que je... J'ai pas confiance en mes talents de voir dans le noir, en fait. Je fais jamais confiance à mes talents de voir dans le noir. Ah merde, elle est cassée, fais chier. Ah bah range-la, ferme ça. Pour le feu. Ah merde. Ah, ça c'est bien. Rien, y a
pas grand chose. Pas grand chose. On a trouvé des objets intéressants, genre la scie, tout ça, c'est des objets assez rares, mais. Mais bon, j'aurais bien voulu. Ok, bon, j'ai rien dit. Allez, on a deux. On a deux vêtements super, super épais quand même. Non, j'avoue, là c'est bon, ça c'est bien ça. Par contre, on va prendre l'eau. Parce que nous, on va faire une réserve de notre côté, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. Vous savez que normalement, je laisse l'eau dans les toilettes. J'ai envie de faire un tour dehors, mais j'ai peur de me faire bouffer. Allez, on teste, on tente. S'il vous plaît. Oh! Oh, ça tue! Oh, il y a plein de voitures! Oh, c'est vachement cool! Oh, putain! Ah, désolé, je dois réagir comme un enfant, en fait. Je dois réagir comme un gosse. Ah, mais c'est terrible! Maintenant, il y a plusieurs voitures tout autour. Il y a plein de palettes. Oh putain, c'est magnifique. Même, ah ben, vous voyez là, du coup, là. Parce que c'est vrai que je pense qu'on a... Je fais plus ou moins la même chose pour la survie. Parce que c'est la survie qui marche. Ah, maintenant, c'est de l'eau potable. Ça aussi, c'est nouveau. Ça, avant, c'était de l'eau croupie. Genre, on peut maintenant en mettre de l'eau ou pas? Ah non, on peut juste la récupérer. Parce que, normalement... Ah putain, je suis content. Parce que normalement, il n'y a pas grand chose. Voilà, je recommence, c'est toujours un peu la même. La map change pas, tout ça. Mais là, avec la mise à jour, il y a beaucoup plus d'objets. Oh, comment je suis content. Il n'y a pas les trucs accrochés, non. Oh mon dieu, vous pouvez pas savoir comment je suis content. Ça, par contre, ça me gave, ce truc-là. Je le fais à chaque fois, même si c'est chiant, que ça ne sert à rien. Mais je le fais tout le temps. Il me gave ce truc, ce carton-là, juste là. Lui aussi, il me fait chier. Voilà, on a perdu une heure pour rien, mais ça me fait chier. Voilà. Très bien. On est quoi? On est presque la matinée. Bon, ce que je vais faire, c'est un peu de rangement, je pense. On va faire une petite ellipse. Mais c'est pour le bien. Je vais déposer mes objets. Je vais un peu faire de l'ordre. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc, à tout de suite.
Et nous nous levons dans notre nouveau camp. Alors, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai fait pas mal de choses. Par contre, je voulais vérifier 2 secondes. On a toujours les lapins. On va les jeter pour le moment. Quoique... en fait, on va les jeter... non, on va les jeter ici. Non, c'est très bien. On le fera plus tard. Parce que j'ai envie d'aller vadrouiller un peu. Alors, nous avons pour les vêtements, donc j'ai mis les vêtements, les nouveaux vêtements, donc on a ça et ça, donc c'est très bien. Maintenant on a un protection à 12%, bonus de chaleur 10%, enfin non, 10 degrés pardon, pourquoi je dis 10%, bonus, coupe vent, etc. On a un peu d'eau et tout, c'est bien. Il va falloir, on va devoir faire un feu à un moment, je sais, on va devoir faire un feu, vous inquiétez pas. On va se débrouiller, mais je voudrais un peu partir en vadrouille. Donc on a tout fouillé, j'ai mis ça, j'ai mis des torches ici, les bouquins ici, ça c'est tout le bordel pour le feu. Ici j'ai un peu décoré, j'ai mis des allumettes là, j'ai mis des caisses ici, c'est classe. Là nous avons des antiseptiques et des pansements, nous avons le thé, tout ça. Voilà, on a le jerrycan sur le côté. J'espère qu'il est pas... On va le mettre là comme ça. Parce que j'ai pas envie qu'il passe à travers le décor, c'est pas beau. Ça aussi, j'ai pas envie qu'elle passe à travers le décor. Je sais, je suis désolé, mais moi ça me rend fou les trucs comme ça. Donc voilà, j'ai mis la branche d'ici, on a la deuxième scie ici. Enfin bref, c'est cool. On s'amuse. Donc ce que je veux faire, c'est... On va vadrouiller maintenant, tout simplement. On va aller vadrouiller et on va voir un peu les nouveautés, en fait, de la zone. Parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, apparemment. Et ça, je suis assez content. Je dois avouer que je suis assez content. Alors, par contre, il y a un caribou. Ah, il est là-bas. Ah, putain. Chaud. Il y a un caribou. On peut y aller, hein. On peut fouiller le coffre. Caribou des montagnes, un élan, donc lui il faut... Je glisse, faut faire attention à lui. Le 4x4 on l'avait pas fait, on n'avait rien fait en fait dehors. Oh des allumettes, t'es sérieux, putain ça pète. Ça pète, ça c'est bon. Ah tiens le capot, il n'y a pas de... C'est bizarre, pas de décor en fait. Là nous avons ça, gaz, ok. Nous avons plein de palettes, nous avons cette voiture. Apparemment il fait bon. Ouais, il fait pas trop froid, donc ça c'est bien. Je pense qu'on va en profiter pour créer un feu, pour faire un feu. Enfin quoi, je crois qu'il fait... Le temps est pas assez bon pour la loupe. Ouais, 0%. Donc on va continuer à fouiller les alentours avec les... Oh, putain. On va continuer à fouiller les alentours avec les maisons et tout ça. On va aller de l'autre côté. Et après on va faire un feu. Je pense avec des allumettes et une torche. Hein. Et on va le ramener à la maison et puis on va faire de l'eau. Il y a quelque chose à côté de moi. Je crois que ça vient de derrière. Oh mon dieu, mais il y a trop plein de trucs à vérifier. Oh shit. Ah, c'est dangereux ici, hein. Putain. Ah, c'est la viande. J'ai gardé la viande sur mon... Quel con. J'ai gardé la viande sur mon... Désolé, je fais beaucoup du... Rentrer-sortir, mais... C'est pour éviter... En fait, je me suis levé. Pourquoi? Parce que j'ai cru qu'il avait senti... Enfin, je pensais qu'il m'avait senti.
Et après, j'avais déposé la viande. Donc, ça fait comme si je déposais un appât. Et du coup, bah, il va manger ma viande. Je voulais pas qu'il bouffe ma viande, moi. Donc, c'est pour ça que je me suis levé. C'est pour qu'il me voie, moi, et pas la viande. Mais au final, je me suis fait courser par les deux. C'était pas... C'est pas très malin, en fait. Il m'a senti, il va venir, puis il va repartir. Encore heureux qu'il fait pas trop trop froid. Ouais, encore heureux qu'il fait pas méga froid. Mais j'avoue que c'est pas vraiment. C'est pas le top top top. Ou alors on fait un feu et on utilise les torches pour se déplacer, mais. Putain! Casse-toi loin, sérieux. On a un peu à manger, on a récupéré quelques trucs quand même quand on avait fouillé les lieux. Donc ça, je suis content. Il a eu peur de quelque chose. On n'a pas eu un bug, parce que des fois vous avez ça en fait. Il attaque. Ça vous fait pas de dégâts, mais vous avez les vêtements complètement défoncés et tout. À la limite, on fait un feu maintenant et on essaye de. On fait notre eau. Oh la vache, ils sont là. C'est un calvaire! En fait, faudrait qu'ils s'approchent et qu'ils aillent vers là. Là-bas, il y a l'élan. Et l'élan va leur faire peur, en fait. Bon, par contre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de maisons. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maisons, en fait, abîmées, brûlées. Et ça, c'est un peu un problème. Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup de choses à vérifier. Ok, on va aller là-bas. Normalement. Merde. Ok, bon, cette maison elle est toujours là, elle a pas changé, apparemment, donc ça c'est bien. Il faut voir un peu notre vie, ça va. C'est pas la joie, mais ça aurait pu être pire. Je vais allumer parce que j'aime pas fouiller dans le noir, je déteste faire ça. Je suis assez content, il y a tout qui a changé. Bon, le problème de ce que je viens de voir, enfin, on n'en a pas trop vu au final, parce qu'à cause du fait qu'il y a un gros élan dans le coin, puis après il y a deux loups qui rôdent dans les parages, mais d'une puissance affolante. Apparemment, je pense que beaucoup de maisons en fait ne sont plus habitables, elles sont brûlées, donc ça veut dire qu'il y a moins d'endroits. On sait qu'on peut potentiellement trouver des objets. Ça, c'est un petit problème. Enfin, bref. Marmite, c'est 15 minutes. Ça, par exemple, pour récupérer du bois, du métal, comme j'ai dit, il va nous en falloir. Et là, dans un sens, je suis curieux de voir le reste du monde, si tout a changé ou pas. Ça, c'est bien, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça. Cette maison, normalement, n'a pas d'étage. Ouais, non, il n'y a pas d'étage. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles.
On va récupérer ça, on va tous les mettre dans le... dans notre camp, on va tout ramener. Serviette, il n'y a rien d'autre. Ok, ça marche. Ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer du tissu, tout ça, mais j'ai pas trop envie. Je préfère récupérer le tissu quand on n'a rien à faire, en fait. Quand on est bloqué par une tempête ou des trucs comme ça, ouais, là, il faut passer le temps, là. Bon, j'ai l'impression... Il n'y avait pas ça. La boîte aux lettres, là. Merde. Ok. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ça va. On est léger, donc je peux me permettre de faire un peu des sauts à la... à la MacGyver. Bon, un truc qu'il faudrait faire, c'est peut-être... Si... Ce serait bien qu'il fasse, en fait... beau, comme ça on peut faire un feu avec la loupe. Et si je fais un feu avec la loupe, je le fais à côté... du... Il m'a vu. Ah, le con. Il est juste là. Ok, le mec il voit de très très loin. C'est con qu'on puisse pas tourner la tête à 360, hein, sérieux. Je l'entends cavaler. Il est où, à droite ou à gauche du coup? Merde. Ah, je l'entends. Je vois pas de trace sur le sol. En gros, c'est comme vivre à côté d'un putain d'ours, quoi. Super. C'est super. Waouh! Mais t'es sérieux là? Voilà, on commence à avoir froid là. Bon. Ce que j'ai envie de faire. C'est. Bon, après un feu. Un feu comme ça sur la glace. À côté de la carcasse, c'est très dangereux parce que du coup, bon. Il y a un coup de vent, c'est fini, hein. Il y a plus de feu. Hein. Il y a un coup de vent, il n'y a plus de feu, donc ça c'est un petit problème. Je sais pas quoi faire. Cette maison, on l'a fouillée la nuit dernière.
ça, on l'a pas fait. On y arrive petit à petit, hein. On y arrive, on y arrive. Par contre, je suis pas accroupi, ça c'est un peu emmerdant. On y arrive, hein. Ça va, on va y arriver. Ah tiens, on a chaud, c'est bien ça. Mais galère, hein. Il m'a ressenti parce que j'étais pas accroupi, donc il revient. Allez, je suis pas là, repart. Voilà, il repart. Ah mon dieu, putain, c'est stressant. Pff, la vache. Ok, là on va avoir du mal à... on va avoir du mal à travailler en fait. Il a eu peur de quoi? Ah, il y a l'élan là-bas, en plein devant là. Putain, il m'a fait retourner le loup ici. Oh la vache. Je sais pas quoi faire. J'entends pas le loup pour l'instant, donc il est peut-être pas revenu. Il est peut-être loin là. Allez, on y va. Il est là. Putain, mais t'es sérieux? Sinon, je sors ma torche maintenant et je l'allume, quoi. Mais bon, c'est un peu casse-couille. Vas-y, aie peur. Faut qu'il ait peur, en fait. Ah, très bien. Tant qu'il fait... Tant qu'il fait pas... Oh la vache, oh la vache. Tant qu'il fait pas méga froid... je veux vadrouiller en fait. Ah, il s'éclaire, ça s'éclaire. Non, il neige et tout ça. Non, on va pas pouvoir. C'est bon, il nous a lâché. Voilà, tant qu'il fait pas méga froid, je veux... Je veux vadrouiller loin. Je veux... Fouiller les zones. Et en profiter, quoi. Et après... Après, on se repose. Après, on fait du feu, machin... Là-bas, il y a les petites cabanes. Un temps comme ça, je crois que non, on peut pas. Hein. Laissez-moi vérifier. Non, non, c'est bon. Quand il neige comme ça, c'est pas bon. Alors, ce qu'on va faire, on va aller là-bas. Je crois que c'est là, tout droit, là. Passe... cet embourbement d'arbres, c'est pas bon. C'est là-bas, je crois. C'est qu'il y a des maisons. Et à la limite, ce qu'on va faire, vu qu'on est loin du camp... Oh putain, c'est un ours, un loup ça? Ou c'est un rocher? Ça bouge ou pas? Je sais pas. Il n'y a pas de corbeau, non. Ah, il y a un truc à... Vous savez, un truc de... De... Green light, là, je sais pas quoi. Vu qu'il y a, vu qu'on est loin, je voulais dire, on va aller peut-être au centre. Et on va tout simplement camper au centre. Et on va en profiter pour aller récupérer tous les lapins. Donc on va faire un long... Ah putain, un feu, mais on n'a pas de... Oh, il y a l'ours là-bas. On va faire le feu, mais... on n'a rien, quoi. On n'a rien pour faire un feu. Ah, oh, on peut faire un feu ici, mais j'ai rien, quoi. Je sais pas exactement s'il y a des choses à récupérer. Il y a beaucoup de palettes partout, en fait.
J'ai remarqué. Oh, il y a un loup de l'autre côté. À droite. Ok, c'est l'heure de partir. Oh non! L'ours il vient vers nous. On va aller là-bas. On a le cerf. Ouais, parce que là je commence à être un peu dans la merde en fait. Ah, ça va, c'est bon. Parce qu'on a soif, on a faim, on a froid. Le problème, c'est que j'ai pas récupéré la viande en fait. J'ai pas gardé la viande sur moi. Donc, bah. Du coup, on va pas la cuire. J'arrive pas à monter, sérieux. C'est un peu la merde en fait. C'est pas la joie. Non, non, c'est pas la joie. Essayer de vite prendre du bois. Par contre, c'est la... C'est l'île au machin ou pas, là? Cabane. Non, c'est pas ça. Donc là, je crois qu'il y a une chance d'avoir des loups. On va faire un peu le tour. Allez, on rentre, parce que là, je suis en train de trop geler, en fait. Fou, c'est pas bon, ce que je fais. Là, je me mets en risque, là. C'est pas bon. Ok. C'est bien. On va faire le tour de la maison côtière. Et je crois qu'on va tout simplement manger et dormir, hein. On va un peu se bouger par contre parce qu'on n'a pas de... on n'a pas de vie. Donc on va tracer. J'espère que ça va bien se passer. Donne-moi quelque chose, sérieux, donne-moi... Donne-moi un truc à manger, quoi. Me fais pas venir ici pour rien, quoi. Parce que ça, ça me ferait franchement de la peine. On a plusieurs carcasses. Alors après, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire du feu à côté des carcasses? Ah, ça c'est bien. Je dirais oui et non. Enfin, c'est dangereux, quoi. C'est toujours le problème de faire des feux à l'extérieur comme ça. Si jamais il y a du vent, c'est mort, quoi. C'est bien. Et, personnellement, j'aime pas trop tenter, en fait. Une tisane encore, waouh. C'est super rare, les tisanes. Je sais même pas si on peut trouver des sachets de tisane. Tellement que c'est rare en intrus. Je pense, mais ça doit être méga, méga rare. Bon, on a quand même pas mal à bouffer, donc on va pouvoir passer plusieurs nuits. Je pense facilement, donc c'est ce qu'on va faire. Ce qui est bien aussi, c'est pourquoi je voulais une maison, c'est parce que du coup on n'a pas besoin de faire du feu pour l'eau. On peut tout simplement récupérer l'eau ici, donc bon, c'est déjà bien. Voilà, très bien. Voilà, et on va devoir dormir et on va retravailler pendant la nuit, je pense. On va en profiter, on va manger ça en premier.
On va faire ça, ça fait de l'eau je crois aussi. Ouais, voilà, parfait. Voilà, on va pouvoir dormir et on va prendre, on va dormir 7 heures je crois, un truc comme ça. 6 heures, 7 heures, on va voir. 7 heures, je pense que c'est bien. 8, allez 8, pour récupérer pas mal de vie.